Promouvoir l'implication de la jeunesse dans la pratique des bonnes mœurs devient un impératif dans la capitale économique au regard du taux d'incivisme sans cesse grandissant dans la ville de Douala. En accompagnant les jeunes dans l'animation des centres civiques implémentés dans les établissements scolaires, l'Agence de promotion du service civique du littoral voudrait inculquer les valeurs patriotiques aux jeunes dès la base. Les jeunes ont résumé les formations qu'ils ont reçues. Cela veut dire que l'activité de l'agent du service civique sont imprégnés au niveau des jeunes. Et également, ils sont des pères éducateurs dans la mesure où, à travers ces centres d'éducation civique, ils forment leurs camarades. C'est la raison pour laquelle la direction générale, à travers son directeur général, a déployé auprès de cette jeunesse du matériel pour développer de plus en plus la dite formation. Dans le cadre de cette nouvelle campagne d'éducation civique lancée dans les établissements scolaires du littoral, il est également question d'amener les jeunes à défendre l'intégrité du Cameroun. L'accent était mis sur la promotion, n'est-ce pas, de la paix, sur le vivre ensemble et la lutte contre la violence. J'apprends à accepter tout le monde comme moi et savoir que le Cameroun est un et indivisible. L'intégration nationale nous a enseigné beaucoup de valeurs où aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de dire que toi tu viens de tel côté, tu viens de tel côté pour cette raison. Rappelons que chaque année, 1000 jeunes sont appelés par l'Agence nationale du service civique pour une formation en éducation civique. À ce jour, 11 000 jeunes se sont engagés à être des pères éducateurs dans les 10 régions.